Salut tout le monde, c'est toujours le Gratteur Four. Là, je vais tester un petit jeu qui s'appelle le Prosperity Twin. Twin qui veut dire donc des jumeaux en anglais. Voilà, bon, j'ai dû donc refaire un petit deposit pour remettre un petit peu de pognon dans ce cher casino. Là, je pars avec une balance de 550 euros et je vais jouer quand même à 14 euros la mise. Bon, alors là, certes, comme sur deux de mes précédentes parties, j'avais pas mal perdu. Éventuellement, si j'arrive à pécho des petits gains intéressants et à faire un bonus de plus ou moins 100 euros. Je vais décider quand même de m'arrêter de jouer et de ne pas prendre des risques de continuer pour éventuellement tout perdre. Allez, feu. Alors pareil, c'est un petit jeu où on peut arrêter les rouleaux manuellement. Et un petit jeu qui contient des bonus et des parties gratuites. Alors, il reste plus qu'à espérer de pécho une belle petite combinaison gagnante. Alors, voyons voir. Gagner jusqu'à 28 parties gratuites. Là, ça serait franchement sympa. Voir. 36 euros de gain. Rien d'intéressant pour le moment. Alors, s'il y avait moyen de pécho les parties gratuites, ça serait franchement le top. Bon, je vais essayer de faire deux ou trois petits arrêts manuels de rouleau. Mon premier qui sert à rien. Deuxième qui a servi à rien aussi. Comme on dit, jamais 203. Allez, stop. Et là, ça fait un petit gain de 17 euros. Pas grand-chose. Car la partie coûte quand même 14 euros. Hein. Ok, 1 euro de gain, c'est histoire de dire le petit jeu vous donne quelque chose. Ok, encore un petit euro. Ok, 9. Stacked wall will give you bigger wins, d'accord. Bon, il n'a pas l'air très généreux pour le moment ce petit jeu. Balance 357,50. Bon, là, ça fait quand même plusieurs parties perdantes consécutives. Si j'augmente mes mises, soyons fous, prenons des risques. 28 euros, là ça pique quand même un petit peu. Là je pars quand même du principe que j'ai eu pas mal de parties consécutives perdantes, donc théoriquement il devrait y avoir des petits lots gagnants. Dans le cas contraire, je vais vite me faire torcher. Allez, on va prendre ce risque quand même. On a mauvais choix, là c'est un petit gain à 2 euros. Allez, un petit arrêt. Mauvais choix. Je crois que j'ai fait un mauvais choix et c'est un petit peu risqué d'avoir augmenté les mises. Et pourtant, je partais du principe que ce petit jeu n'a rien donné pendant plusieurs parties consécutives, donc théoriquement, il devrait arriver des combinaisons gagnantes. Ok, un petit gain à 54. Alors, eh ben non, il manquait un troisième scatter, malheureusement. Ça aurait été vraiment intéressant à 28 euros la partie de spécialer les free games. Là, ça aurait été des super gains garantis. De toute façon, là, c'est parti pour être une partie très risquée. Allez, un arrêt. Ah non. Bon ben c'était vraiment un mauvais choix d'augmenter les mises. Hein. Allez, partie gratuite, s'il vous plaît.
Yes. Alors, 8 parties gratuites gagnées avec 2 scatters pour recommencer. Pressez n'importe où pour commencer. Allez, feu. J'espère que ça va rapporter quand même des beaux petits gains. Alors, ok, retrigger. Ah bah là c'est le super, d'accord, bah franchement je regrette pas d'avoir. Alors là j'hallucine. Ok, 3000 balles. Ah bah ouais, là c'est hallucinant quoi. Franchement, moi qui regrettais d'avoir 8 euros, bah là franchement je regrette pas. Alors, partie 4 sur 10. Partie 5 sur 10. Là, c'était vraiment un super lot, je pouvais pas espérer mieux. Pareil de rouleau. Hop. Dernière partie. Bon ben franchement, c'est un petit peu hallucinant. Ok, 3036 euros de gain. Là, j'hallucine quand même un petit peu. Franchement, c'est qui est franchement plus que bienvenu. Parce que mes deux parties précédentes, j'avais eu pas mal de pertes. Ça foutait un petit peu les boules. Bon, ben là, ce que je vais faire, je vais baisser mes mises. Et je vais m'arrêter à 3000 euros de gain. Parce que là, franchement, c'était plutôt inespéré. J'ai même pris des très gros risques à augmenter mes mises à euros. Ma balance était très descendue, mais les free games à 28 euros, c'est sûr que ça paye. Alors, balance 3103. Ce que je vais faire, je vais rejouer à 14 euros la partie et je m'arrête à 3000. Allez, feu. Là, ça m'a vraiment perturbé de gagner autant. Hein. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à gagner 200, 300, voire 500 balles, mais pas 3000 balles. Allez, un petit arrêt de rouleau. Ouais, franchement, je regrette pas ce petit jeu Prosperity Twin. C'était plus qu'inespéré de gagner ça. Alors, 4,50. 3014. Allez, encore, une petite partie gratuite. Eh non, malheureusement, ça aurait été trop beau. Alors, balance 340. Hop. De toute façon, je m'arrête à 3000. C'est ma limite. Ok, 2,60, 2,80. Hop, on va baisser à 1,40. Ok, 1,30. Donc il faut que je baisse quand même mes mises. Je compte pas descendre en dessous de 3000. Là, c'est même le super lot que j'ai jamais. En fait, j'ai jamais gagné autant avec ces chers petits jeux similaires. Donc là. Allez, partie gratuite. Non, malheureusement, non. 18 centimes. Je pense pas pouvoir baisser mes mises. Non, le minimum c'est 28. Bon, je vais arrêter ici à 3000 euros et 18 centimes. Je vais quand même pouvoir faire un temps, c'est quand même sympa. Ça remboursera en fait les pertes pas mal que j'ai eues sur deux précédents. Voilà. Bon, ouais, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable après-midi. Pardon, je suis un petit peu troublé par ce super gain. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt avec le Gratteur Fou pour des prochaines sessions de petits jeux en espérant gagner autant. Voilà, franchement, là. Je suis même sidéré, ébahi, je m'y attendais pas du tout. Comme je vous disais, je m'attendais plutôt à gagner 200 balles, éventuellement 400-500 balles, mais pas plus de 3000 balles. Allez, sur ce, la bise tout le monde, ciao ciao, bonne journée.